Bon, coucou les filles. Finalement, j'avais tout prévu pour faire avec le Mac, mais il s'avère que c'est plus compliqué que ce que je pensais. J'espère que vous me voyez. Je sais pas du tout. Si vous voulez bien m'envoyer un petit message pour me dire oui, ça marche ou oui, ça marche pas, ce serait super. Je suis désolée, je suis pas très très au point. C'est la première fois que je fais ça, donc voilà. Je sais pas si vous êtes là ou pas. Ah, ça y est, Dadou Mesquita. Coucou, Blandine. Ouf, ça y est. Ah, je suis contente, vous êtes là, les filles. Coucou. Bon, je suis désolée pour le début, c'était un petit peu le cafouillage, mais voilà, c'est ma première vidéo en direct. Alors, je me suis un peu perdue. Visiblement, mon Mac, il veut rien savoir, donc je diffuse avec le téléphone. C'est pas très, très grave. Je vais attendre quelques minutes que les filles se connectent. Coucou, Péki. Coucou, Régine. Agnès, on ne se connaît pas, enchantée. Nous sommes vus il y a fort longtemps chez Soraya, si ma mémoire est bonne. Blandine, nickel, super, ça me fait plaisir. Coucou Ariel. Bon, c'est sympa de voir que vous êtes toutes là. Audrey, on ne se connaît pas, enchantée. Séverine, coucou. Séverine et Dadou, donc et Blandine, ils gagnent un foulard toutes les deux hier. Vous le choisirez, je vais vous envoyer un petit... Blandine doit passer pour faire ses essayages. Et puis sinon, vous le choisirez dans le catalogue, celui qui vous fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que tout le monde se connecte petit à petit. J'ai un peu cafouillé au départ, hein, c'est vrai que... Élodie Brunel, bonjour, on ne se connaît pas. Élodie, Marilyn, coucou Marilyn. Marilyn aussi, elle a gagné un foulard parce qu'elles ont partagé. Elles ont eu pas mal de parrainages, les chanceuses, hein, plus que certaines. Donc du coup, voilà, il en fallait trois. J'ai pris les trois qui en avaient le plus. Je suis une amie de Séverine. D'accord, ok, enchantée Audrey. Lorraine, on ne se connaît pas non plus. Bonjour Lorraine. Bon, je vais peut-être pas saluer tout le monde. J'espère qu'il y aura plein de monde, hein, mais... J'espère que tout le monde connaît Captain, ou si vous ne connaissez pas, bah, ce sera l'occasion de découvrir. Donc j'ai fait un petit sondage sur le groupe courant de semaine. Alors je suis désolée, il y a quelques reflets, mais voilà, hein, dans mes verres, c'est pas grave. C'est pas mes lunettes que vous voulez regarder, c'est les vêtements. C'est pas très très grave. J'ai fait un petit sondage sur le groupe dans la semaine pour savoir sur quoi vous vouliez que porte ce premier live. Et votre choix s'est porté à l'unanimité, coucou Nathalie, sur les combis. Donc bah voyez, j'en ai enfilé une pour l'occasion, hein, pour le coup. En plus, on a de la chance aujourd'hui, il fait pas très beau, mais il fait très chaud. Enchantée Claire, on ne se connaît pas, enchantée et bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui les combis. Donc moi je porte la combi de chez Java qui avait été déclinée en édition limitée en bleu nuit, et ben, comme toutes les éditions limitées en général, elle a fondu comme neige au soleil, donc elle n'existe plus qu'en corail, mais elle est vraiment très jolie. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une ceinture smokée, vraiment une ceinture haute, hein, qui souligne la poitrine. Voilà, qu'on ait des formes ou pas, en fait ça met en valeur, c'est vraiment pas... On n'est pas étouffé par l'élastique, hein, c'est très confortable. Il y a Séverine qui nous regarde. Alors Séverine, elle est au Québec. Un gros bisou au Québec. Un gros bisou. Gaëlle, on ne se connaît pas. Enchantée. Jocelyne. Coucou Jocelyne. Donc voilà, je continue sur la combi corail. Voilà, on a un petit bouton dans le dos pour pouvoir la fermer. Ici, il n'y a pas d'ouverture du tout. Elle est vraiment très saillante. Elle est très large, comme vous pouvez le voir. Du coup, quand on la porte, on a presque l'impression que vous portez une robe, en fait. Hein. Donc là, moi, je me suis mise pieds nus. Je vais juste faire un petit aparté, parce que dans cette période de confinement, j'ai eu pas mal de choses à revoir pour pouvoir vous recevoir. Et en l'occurrence, donc là, vous voyez, je suis pieds nus parce que j'ai mis un beau tapis très cosy dans ma petite pièce pour vous recevoir. J'ai également, je m'égare un petit peu, mais j'ai également mis en place, voilà, vous voyez, il y a des miroirs partout. Tout est fait pour vous recevoir au mieux. J'attends une cabine d'essayage pour très vite. Et puis, voilà, moi, j'ai ma petite visière, j'ai mes masques, j'ai le liquide hydroalcoolique. Je pourrais vous recevoir très bientôt pour faire vos essayages. Pour celles qui ont commandé, j'attends les colis lundi, et celles qui veulent juste venir voir pour pouvoir essayer, etc., je pourrais vous recevoir. J'ai également fait l'acquisition d'un appareil à vapeur pour pouvoir désinfecter les vêtements à la vapeur, si toutefois vous voulez les essayer. Voilà. Donc la combi corail, c'est fait. Voilà, celle-ci, voilà, très jolie. Elle va avec plein de choses, comme vous pouvez le voir, il y a plein de petites couleurs Hein, il y a du vert d'eau, il y a du bleu, il y a du bleu gris, il y a du orange, il y a du rose. Donc on va pouvoir la mettre avec une veste en jean aussi, ça peut lui donner un petit côté un peu punchy. Si on lui met des escarpins, bah, elle aura tout de suite un côté plus chic, ou des petites tongs pour aller à la plage le soir au bord de mer.
Pour rester sur le côté un peu, c'est la marque Java, celle-ci. Donc, la marque Java, elle habille la femme du XXS au XL. Donc, toujours dans la marque Java, j'ai également cette combi short qui est super sympa. Voilà, avec une petite pression pour fermer la combi. On est sur un cache-cœur ici, mais là, elle est cousue. Hein. C'est entièrement cousu, ça ne s'ouvre pas. Et on est donc sur une combi short, très fluide. Donc, on va pouvoir la mettre, celle-ci aussi, avec une petite paire de baskets. On peut imaginer une petite paire de Stan Smith, par exemple, pour vous donner un petit côté punchy. Une petite paire de tongs à la plage. Ou pour celles qui ont envie d'avoir un côté chic en combi short, bah, pourquoi pas même sur une paire de collants avec des escarpins. Tout va dépendre un peu des circonstances dans laquelle vous voulez la porter. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions. J'essaye de lire au fur et à mesure et quoi qu'il arrive après je relirai tous vos messages et je vous répondrai à titre perso si besoin. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me parle des pulls. C'est Séverine au Québec qui veut voir les pulls. On verra ça plus tard, les pulls, Séverine, promis. Donc voilà pour la petite combi short. Voilà, elle est élastiquée à la taille, hein. Il n'y a pas de lien de serrage ni rien, elle est juste élastiquée, elle est très fluide, très confortable. Alors souvent on me demande les matières et c'est vrai que je n'ai pas pris pris le temps de regarder la matière, mais je crois que c'est du viscose de mémoire. Je regarderai et je vous dirai. Hop, j'ai pas l'étiquette sous le coude là, je regarde sur le... Non, on voit pas et puis comme elle est sur le mannequin, ça ne va pas être très très pratique pour moi. Voilà, la combi short, très sympa celle-ci. Je vais vous donner les tarifs si vous voulez, ce sera peut-être plus simple pour vous, plutôt que de me poser la question après. Celle-ci, elle était à 75€. Voilà. Donc, elle se noue avec un petit nœud à l'arrière. Hein. Donc, évidemment, une combi, on sait toutes qu'il y a l'inconvénient pour aller aux toilettes, on est obligé de se déshabiller entièrement. Mais bon, en général, on s'en fout parce qu'on aime bien être toute jolie dans nos vêtements. Voilà. Donc, voilà pour la combi short. Hop! Ensuite, on va passer à Little Miss. Alors, chez Little Miss, on habille la petite fille du 6 au 10 ans et la femme du XXS au M en général, voire parfois jusqu'au XL. Et c'est le cas de cette combi. Ils ont élargi la gamme. Coucou Catherine. Ils ont élargi la gamme de taille pour cette combi. Elle existe jusqu'à la taille XL. Donc, le XL va correspondre à un 42-44 en gros, hein, parce que le M c'est un 38-40, donc ouais, un bon 42-44, un bon 44 je pense le XL. De toute façon, comme d'habitude, lorsque je reçois les vêtements, vous les essayez, si ça convient, ça convient, si ça convient pas, on change ou je vous rembourse, hein, voilà, vous restez pas avec un vêtement qui... Donc là on est sur une combi. Qui est donc, ils appellent ça bleu saphir, hein. On est presque sur un bleu roi, mais c'est un bleu avec un tout petit peu de violet dedans, elle est vraiment très très belle, elle est boutonnée ici, là on a une ceinture ton sur ton, j'aurai à vous proposer, dès que j'aurai reçu mes colis début de semaine, je vais recevoir une ceinture tout à fait assortie et qui va très bien contraster avec le coloris de la combi, donc fermeture éclair ici, boutonnée là, et donc si je retourne mon petit mannequin, voilà, vous allez voir que le dos... Hop, voilà. Le dos est vraiment très bien travaillé. C'est très, très chic. Jusqu'à la petite cambrure des reins. Mais on ne descend pas plus bas. C'est vraiment très esthétique. Voilà. Et donc, celle-ci jusqu'au XL. Et elle est à 99€. Voilà. Ensuite, chez Trend. Donc, chez Trend, on est sur une gamme un petit peu plus habillée, un peu plus chic. Voilà, Virginie, coucou, Nelly, Valérie, coucou Valérie. Ben, Valérie, si je ne me trompe pas, je crois bien que c'est cette combi que tu as commandée. Voilà, aujourd'hui, je la porte. Ici, on est sur une combi 2 en 1. Hop, je vais vous la présenter de... Voilà. Donc, on est sur un 2 en 1 parce qu'en fait, il y a deux pièces. On a le bas qui est en lin, hein, mais c'est un lin tout doux qui ne gratte pas, évidemment. La ceinture... se ferme avec un petit lien et on a un joli contraste avec une ceinture lurex bicolore. Le lurex, on le retrouve sur l'encolure ici avec un petit galon et également sur l'une des deux bretelles. Hein, on est sur deux bretelles, bretelles coton flammé, hein, comme le haut du top en coton flammé. Et le dos, on est sur un dos, ce qu'on appelle un dos nageur. Donc vous voyez, avec les petites bretelles qu'on retrouve ici, un petit imprimé transparent juste là. Voilà, donc là, on a deux poches également, hein, puis des bonnes poches, on peut vraiment bien mettre les mains dedans. Et donc, ce qui est sympa sur cette combi, c'est qu'elle est vendue avec un petit top en voile.
Hop. Petit top en voile, voilà, que l'on met ou pas. Ça va vraiment dépendre de chacune. S'il fait chaud, s'il fait froid, si on a envie de mettre un petit peu ses bras. Et donc là, on joue sur la transparence. Et donc là, si on a un petit peu, on peut imaginer qu'on ait des petites poignées d'amour ou quoi, le fait d'avoir ce petit voile en transparence dessus, vraiment, ça fluidifie la silhouette, ça l'allonge et on est quand même plus aisé dedans. Donc voilà. Comme vous voyez, donc, on joue sur la transparence. On va pouvoir le porter sur autre chose, pas obligé de le porter sur cette... Très bien le porter sur un top noir, par exemple, et avoir un effet de matière en transparence avec les deux tops. Voilà. Une belle combi. Donc là, elle est un peu grande parce que Cindy, là, elle fait un petit 36-38 et c'est un 42, ma combi. Donc forcément, elle est un petit peu grande, celle-ci. Voilà. Hop. Et enfin, la dernière combi. Celle-ci de chez Miss, alors là je ne vous dis pas, elle est vraiment très très grande sur mon mannequin, donc celle-ci quand on la porte correctement, on n'a pas les seins à l'air, non je vous jure, voilà, hop, on est comme ça, hein, on est sur un top fluide, très léger, hein, le dos est juste magnifique, hein, on est sur un petit macramé, dentelle et macramé, là c'est vraiment très très joli, voilà, et donc celle-ci elle se ferme par des petits boutons, qui sont juste là. Vous voyez, il y a plein de couleurs dessus. Donc, on va pouvoir la mettre avec la veste rose poudrée, par exemple. On va pouvoir la mettre avec la veste vert émeraude. Je vais vous la montrer. Le prix de la combi rouge et blanche. Je vous la donne toute dans quelques minutes parce que je crois que j'ai vu qu'il n'y avait pas l'étiquette dessus. Je vais regarder ça. Hop. Alors, cette combi-là, je vais vous la montrer avec la veste corail. Pas la veste corail, la veste verte, par exemple. Voilà. Vous voyez, et là tout de suite, elle a une autre allure. On peut imaginer la mettre également avec la veste rose poudrée. Je crois que la combi, je crois qu'elle a 119, la rouge et blanche, de mémoire. Hein. Je crois que je vérifie. Nathalie, coucou Nathalie! Tu adores celle-ci. Tu parles de la combi, Nathalie? Oui, celle-ci, tu l'avais vue parce que tu as pris la veste déjà. Alors, voyez, avec la veste rose, ça lui donne un côté un peu... Bon, là, rangez-moi ce 5, je ne saurais voir. Ça lui donne un côté un peu plus décontracté, on va dire, moins habillé. Hein. Coucou, Corinne. Donc, voilà, hein, une jolie veste aussi ici. Hop. Et la veste verte. Et je ne sais pas si l'étiquette prix est sur celle-ci ou sur l'autre. Celle-ci, elle est à 99, Nathalie. Voilà. Et les tailles, celle-ci, on va jusqu'au 48 pour sûr. Hein, peut-être même jusqu'au 52. Là, on va du 34 au 48 sur celle-ci. Voilà. Alors, l'inconvénient que je vais avoir avec la dernière combi que je vous ai montrée, celle qui t'intéresse, Nathalie, en l'occurrence. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des réajustements et... À cause du confinement, justement, on a des, enfin, sur cette combi, principalement, et uniquement d'ailleurs, j'ai un souci de livraison. C'est-à-dire que je peux la réserver dès aujourd'hui. Je la commande, il n'y a pas de souci. Simplement, elle ne, a priori, de ce que j'ai vu sur l'état de stock tout à l'heure, je ne pourrai la livrer que fin juillet. Donc, elle ne sera, évidemment, si elle n'est pas livrée avant fin juillet, on ne la paye pas non plus avant fin juillet. Hein. Vous payez la livraison, pas avant. D'accord ? J'imagine qu'il va y avoir des réajustements, mais je pense que les fournisseurs ayant, comme nous, été confinés, ont pris du retard dans la fabrication. Le premier jet de fabrication, tout a été vendu. Et du coup, ils ont demandé des refabrications. Et les refabrications prennent un petit peu plus de temps parce qu'il faut le temps que toutes les machines se remettent en route partout dans le monde entier, hein, comme vous pouvez le savoir. Donc j'imagine que ça va sûrement se réduire, enfin, j'espère en tout cas. Ça peut permettre, en attendant, éventuellement, si vous avez repéré la combi et puis autre chose, de pouvoir étaler vos règlements parce que vous savez que la combi, vous ne la payerez pas avant la livraison, donc pas avant le mois de juillet. Voilà. Par contre, c'est vrai que si vous partez en vacances en juillet, si tant est qu'on puisse partir, si vous partez en vacances en juillet et que vous vouliez la combi, on risque de pas l'avoir à temps. Je préfère vous prévenir tout de suite, comme ça, vous le savez. Vous m'aviez demandé également d'intervenir sur les robes. Alors, moi, je veux bien intervenir sur les robes. Simplement, ça va durer un petit peu plus longtemps, du coup. Donc, je veux juste vous prévenir. Hop, je vais vous montrer un petit peu les robes.
Je range ma petite veste rose et je range un petit peu mes mannequins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en attendant. Hein. Coucou Valérie. Hop. Donc je range mes acolytes. Et je rapproche mon petit portant. Hop là. Alors, concernant les robes, on a vraiment beaucoup de choix en termes de robes, aussi bien des robes de plage que des robes habillées ou des robes pour aller travailler. Je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de reflets dans mes lunettes. J'essaie de faire au mieux, mais voilà, j'espère que vous me voyez bien. Donc, du coup, au niveau des robes, je vais commencer avec la plage, par exemple. Alors, pour celles qui ne le savent pas, j'ai pas mal d'articles en promotion, malheureusement pas les combis, parce que les combis ont énormément de succès, et comme on le sait en général, tout ce qui a du succès, malheureusement, il n'y a pas de promotion dessus. En tout cas, les combis ont vraiment un succès phénoménal, et on a beaucoup de refabrications, donc du coup, on n'a pas de promo. Cette petite robe de plage, par contre, elle est en promotion. Elle est à moins 30% et actuellement en promo à 45,50€ au lieu de 65€. Donc, on est sur une petite robe en coton, très légère. Ça, c'est pratique, c'est pas mal. Coucou, Minou. C'est pas mal pour... soit on peut la mettre sur un jean, on peut la mettre à la plage sur le maillot de bain, tout simplement. Il y a du rose poudré, donc si on la met sur un jean, on peut pouvoir la mettre avec, par exemple, la veste rose poudrée que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein, vous avez pas mal de couleurs dessus. Après, c'est sûr que le vert ne va pas à tout le monde, mais celle à qui il va, voilà, elle est très sympa. Oups, celle-ci. Celle-ci, elle a tellement de succès, si vous saviez, cette petite robe. Enfin, cette petite robe, non, on est sur une robe longue. Elle est vraiment magnifique, celle-ci. On est vraiment... sur une robe super sympa et recto verso. C'est-à-dire que soit on met l'empiècement, donc on est sur un empiècement macramé, hein, voilà, macramé dentelle, soit on le met devant, soit on le met derrière. Voilà. Sur le côté de la manche, vous avez également un petit détail, vous voyez, c'est élastiqué ici et on a un côté de la robe, que je ne me trompe pas de côté, qui est échancré, mais un côté seulement. Cette robe-là, elle est juste à tomber par terre. Alors après, je vous repartagerai, parce que je sais que tout le monde ne les a pas vues, les vidéos, puisque le groupe n'existait pas encore. Je vous partagerai sur... coucou Oksana, coucou Françoise. Je vous repartagerai sur le groupe... coucou Blandine, je vous repartagerai sur le groupe les vidéos des robes et des combis que j'essaye. Comme ça, vous verrez un petit peu comment elles sont. Hein, donc voilà pour cette robe de plage qui est sublime. Celle-ci qui est tout aussi magnifique là, une superbe robe Pareo, hein. Donc super sympa celle-ci. Bon, pareil, celle-ci on va pouvoir la mettre avec une petite veste en jean, avec la veste rose poudrée ou tout simplement sur le maillot de bain. Voilà, ça c'est... On se sent tellement libre quand on porte ça, c'est très léger, on a l'impression de rien avoir sur le dos. C'est vraiment très très agréable, hein. Très fluide. Hop. Ensuite, chez Little Miss, alors Little Miss, comme je vous ai dit, hein, la petite fille à la femme, du 6, 10 ans et du XXS au M. En tout cas, pour ce modèle, on est sur du M. Voilà. Donc là, on est sur une robe assez colorée, vous voyez, pas mal de petits dessins. Elle est vraiment très lumineuse, celle-ci, quand on l'essaye. Alors, au départ, moi, les motifs me faisaient un petit peu peur et franchement, quand on la porte... elle a l'effet bonne mine en fait avec ce petit galon de fleurs un peu plus vif près du visage. On est vraiment sur quelque chose de très sympa. Elle est super fluide. Voilà, toujours chez Little Miss, on a cette jolie petite robe qui est en promotion également. Donc là, on est sur une robe légèrement asymétrique. Hein, vous voyez, elle est légèrement plus longue d'un côté que de l'autre. Dans le dos, elle se ferme avec un petit galon, un petit nœud. Hein, tout simplement. Et donc, elle est en promotion, celle-ci. Elle est à 55,30€ pour la femme, hein, j'entends, au lieu de 79. Et pour la petite fille, elle est à 34,30€ au lieu de 49. Voilà. Avec la petite manche à volant et tout. Ça, c'est très frais. C'est assez, assez lumineux aussi. Ici, on est sur une robe Miss Captain. Voilà, alors on est sur une robe bleue, vous voyez, plutôt un bleu un peu jean. On a un joli détail d'ajouré échelle, voilà, et de broderie, hein, anglaise un petit peu, voilà, sur les épaules
et ici, Mange Trois Quarts. On est, coucou, on est sur un crêpe, hein. C'est très fluide, ça ne se froisse pas, c'est assez sympa comme matière. Et je crois bien que celle-ci aussi est en promo. Oui, tout à fait. Elle est à moins 30% aussi. Celle-ci, elle est à 55,30 au lieu de 79 euros. Voilà. Très jolie petite robe. Ici, on a une robe plutôt chic. On est chez Trend, là. Donc, vous voyez, on amène une ligne verticale avec cette bande, là. Voilà. On a un joli empiècement floral sur le côté. Dans le dos, elle est unie. Ok, col danseuse, vous voyez, assez large et souligné d'un petit bord en doré. Voilà, donc celle-ci, l'avantage, c'est un petit peu de noir. Donc on peut très bien imaginer la porter en mi-saison lorsqu'il fait pas très très chaud. Pas assez chaud en tout cas pour se mettre sans collant. Donc en début de saison ou en fin de saison, celle-ci, vous la portez avec une petite veste et des petits collants et des escarpins. Et voilà, vous pouvez la mettre... du coup, un peu plus longtemps dans la saison. Je ne vous ai pas montré le bas. On a une bande unie et soulignée par le même galon qu'on retrouve sur le haut du col. Nathalie, sympa cette robe. Oui, elle est jolie. Alors, celle-ci, c'est un de mes coups de cœur. Elle plaît énormément, celle-ci. Moi, franchement, sur le cintre, elle ne me disait rien. Je l'ai essayée, elle est trop belle. J'adore cette robe. C'est la robe de Maria dans West Side Story. Quand vous la portez, elle va aussi bien au plus menu qu'au plus ronde. Je l'ai vraiment rendue dans toutes les tailles et elle sublime la silhouette de tout le monde en fait. Elle est vraiment super sympa celle-ci. Coucou Aurélie. Donc là, on est sur une robe coloris corail qui a été déclinée en noir et en bleu canard. Alors, bleu canard, je sais qu'il n'y en a plus. Noir peut-être, il faut que je vérifie. Par contre, en corail, elle est en promotion. C'est corail, moi j'appelle ça plutôt coquelicot. Hein, on est sur un rouge-orange. Et donc celle-ci, elle est en promo à moins 20% à 87,20 €. Donc voilà, ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment superbe. Alors, puis en plus, c'est un joli rouge. On peut la mettre du coup avec un petit gilet noir, une paire de collants. On n'est pas obligé de la mettre en été celle-ci, on peut la mettre quand on veut, elle est plutôt longue, elle est plus longue derrière que devant, hein. Et voilà, elle a vraiment une coupe super sympa à voir porter. Vous verrez, je vous mettrai la vidéo où je porte toutes les robes, ce sera plus facile pour vous qui les avez peut-être pas encore vues. Ici on est sur une robe plutôt chic, bleu roi, hein, avec un détail sur le bas de la robe, vous voyez on a une bande asymétrique soulignée d'une chaînette. Voilà, donc là, celle-ci, voilà, très fluide, donc ça, c'est pareil. Vous avez une petite bande noire, une paire de collants, une paire d'escarpins, et merci. Non, c'est moi qui vais bien la combinaison, c'est pas l'inverse. Aurélie qui me dit, la combinaison te va trop bien, c'est gentil comme tout. Mais oui, oui, celle-ci, Blandine, elle tirait bien aussi, ouais, je pense. Elle est très, très sympa. Et ça, voilà, une veste noire. Je vais vous montrer, j'ai une veste super qui va avec. Une petite veste très habillée, là. Regardez ça. Alors là, vous allez me dire, oui, elle est noire. Donc, ça fait tout simple, noir. L'avantage, c'est qu'on a le revers avec un peu de motif. Vous voyez, ici, on fait un petit revers sur la manche. Hop. Et on amène un petit coloris punchy sur la robe. Hein, voilà, tout simplement. On a les poches plaquées en simili. Et l'avantage de cette veste, c'est qu'elle est réverso. Donc, on la porte comme ça. Et je vais vous montrer un ensemble superbe. J'aurais dû vous le montrer tout à l'heure, je n'y ai pas pensé. Il faut que je me refasse la main, il y a trop longtemps que je n'ai pas travaillé en direct. J'ai l'habitude de faire mes petites vidéos toute seule dans mon coin, ça me fait plaisir de vous voir. Là. Enfin, de vous voir, je ne vous vois pas, mais de vous parler. Vous voyez sur la combi, alors la combi que je vous montrais tout à l'heure en bleu, voilà, la veste noire, on a le petit revers. Et si on a envie d'un côté punchy, ce qui est super sympa, c'est de la mettre dans l'autre sens. Si on aime les couleurs, hein, et qu'on n'a pas envie de passer trop inaperçu, parce que voilà, c'est pas... Mais vraiment, ça va super bien ensemble. Vous voyez, c'est pas classe, franchement, c'est pas super sympa ces couleurs. On a le même bleu sur la combi que la veste. On amène du noir. Alors, elle est coupée ce qu'on appelle à cru, c'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'ourlet. Ça donne un petit côté vraiment très haute couture. Mais vraiment, c'est très, très chouette. Alors, cette combi,
Coucou Perrine. Cette combi, elle existe jusqu'au XL, hein, je vous l'ai dit, donc XL 42-44. Hein. Mais vraiment, ça fait un super ensemble hyper chic. Je vous remonte le dos parce que tout le monde n'était pas arrivé. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Elle est trop classe. Alors effectivement, vous allez me dire, on voit le soutien-gorge. Oui, on voit le soutien-gorge. Alors bah, celles qui peuvent, elles n'en mettent pas. Mais sinon, on met tout simplement un soutien-gorge couleur chair ou de la même couleur que la combi. Tout simplement, c'est pas très très gênant. Hein. C'est pas très gênant. Voilà. Mais la veste vaut le détour parce qu'elle a vraiment un côté... Vous voyez, je vous montrais, je vous disais un peu coupé à cru. Vous voyez, c'est fait exprès. Très sympa. Coucou maman. Voilà, donc ça c'était le petit aparté pour la veste. Ensuite, je continue dans les robes. On a cette robe très fleurie, très fraîche. Voilà, donc là on est sur une robe bicolore, hein. On est sur du corail, hein. C'est pas du coquelicot, hein. Ça tire plus sur le rose. Je préfère vous le préciser parce que des fois à vidéo on voit pas très bien. On est, voilà, on est sur quelque chose qui va être un peu marqué à la taille avec un ruban. Monochrome ici, voilà, et celle-ci elle est en promotion également, elle est à 55,30 à moins 30%, donc au lieu de 79, donc ça vaut le coup, hein, là aussi d'en profiter. On a une petite manche avec un petit élastique là, voilà, un petit peu coucou Fernanda, voilà, on est sur quelque chose de très sympa aussi, très frais, ici. Alors là, sur cintre, vraiment, celle-ci, elle ne donne pas grand-chose. Portée, elle est très sympa. On est sur une robe, là, on est sur du orange. Hein. Mais du orange avec du bleu, du rose poudré. Vous voyez, on a pas mal de petits... du bleu jean, du bleu marine et une bande de noir juste ici. Et un petit ajouré échelle sur l'encolure. Voilà. Donc là, celle-ci, elle se resserre sur les côtés. De chaque côté, vous avez un petit lien à resserrer avec un petit nœud, tout simplement. Donc du coup, vous pouvez l'ajuster plus ou moins à votre silhouette, d'accord? Le fait qu'elle ait cette petite bande noire, et là, je ne vous ai pas montré sur l'épaule, c'est un voile transparent. Hein. Ici, va vous permettre de la porter en mi-saison avec une paire de collants, des escarpins, voilà. En pleine saison, vous pouvez très bien la porter pour aller à la plage avec une petite paire de tongs. Enfin, vraiment, ça va dépendre de votre emploi du temps, j'ai envie de dire. Hein. Donc là, celle-ci, on peut l'associer avec pas mal de petites choses. Elle est très jolie et elle est en plus également en promotion, celle-ci, à 79 euros. Elle est à 55,30, à moins 30%. Voilà. Encore une jolie robe que j'aime beaucoup aussi, celle-ci. Alors, elle paraît très, très, très simple, en fait, on va dire, sur la coupe, etc. C'est une robe housse, en fait, elle est toute droite. Voilà, très confort. Moi, je l'ai portée tout cet hiver. Oui, Val, la robe noire et rose que tu as... sur le mannequin derrière toi, tu l'as déjà présenté. Ah, c'est pas une robe, c'est une combi. Oui, mais tu pourras regarder la vidéo en replay si tu veux après, Val. Tu la verras. Donc là, cette robe, comme je vous disais, je l'ai portée cet hiver, donc avec un rési noir. Alors, qu'est-ce que c'est un rési? Pour celles qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Le rési, c'est ça. C'est un accessoire essentiel à avoir dans sa penderie qui va vous permettre de mettre... la robe, de mettre une manche tout simplement, une robe ou un t-shirt à manche courte, un pull à manche courte, ou même sans manche, vous lui mettez le rési et tout de suite vous avez quelque chose de chic parce qu'on est sur quelque chose qui est en voile. Voilà. Hein. Donc ça apporte un côté chic et ça réchauffe un petit peu la robe en mi-saison quand il ne fait pas très très chaud. D'accord? Donc là, celle-ci, je l'ai portée avec le rési, une paire de collants et la veste verte. Voilà, la veste vert émeraude. Alors, la veste vert émeraude, on est sur une suédine, mais alors, il y a de l'élastane dedans. On a l'impression d'être en gilet, c'est juste un bonheur à porter. On se sent pas, coucou Vinciane, on se sent pas trop serré dedans. Hein. On se sent vraiment très bien. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez du vert, vous avez du marron, vous avez du bleu, il y a du rose. Vous pouvez vraiment associer une veste ou un sac à main voilà, que vous avez déjà en votre penderie, tout simplement. Pas obligé d'acheter la veste verte pour l'associer avec. Vous pouvez la mettre avec ce que vous voulez. Là, on est sur une petite manche très courte. Et vous voyez, un petit détail sur l'épaule. Voilà, je vais ranger mon rési. Je range ma robe et ma veste. Une nouvelle robe ici. Alors là, on est sur une robe, vous voyez, noire. Elle est plutôt chaude, celle-ci. Hein. C'est vraiment pour
Début de saison ou fin de saison, presque l'automne, parce qu'elle est quand même assez chaude. On a un petit détail ici très sympa sur la manche. À partir du 44, on est sur une manche courte, une vraie manche courte. Là, on est sur une petite manche qui va vous arriver là. À partir du 44, on est sur une petite manche courte, parce que souvent, selon les tailles qu'on fait, moi, je ne suis pas un 44, mais bon, moi, j'ai le bras, c'est pas très très joli. Bah, des fois, on aime bien le cacher. Voilà. Donc, on va porter ici sur cette robe la verticalité avec cette petite bande de tissu, ok, bande de tissu qu'on va retrouver, le motif ici. Alors vous allez me dire c'est très bizarre. En fait quand vous la portez, il faudra regarder la vidéo les filles. Hein. Quand vous la portez, je vais pas y arriver avec le cintre. Hop, voilà. Quand vous la portez évidemment c'est tendu, d'accord. Ça vous fait une jambe avec un pan un peu asymétrique devant, d'accord. Ce pan vous allez pouvoir le déboutonner et le boutonner derrière. Si vous n'avez pas envie d'avoir le pan noir devant, tout simplement, ben, devant, vous avez le petit pan plissé avec le motif. D'accord ? Donc ça, c'est pareil. C'est un motif un peu automnal. On va pouvoir le mettre en fin de saison. On peut la mettre avec des collants, avec le résille également, si on veut lui apporter une petite manche courte. Oups ! Et celle-ci, donc, je ne vous ai pas dit, elle est en promo aussi. À moins 20%, donc au lieu de 109 euros, elle est en promotion à 87,20 €. Hop, je vais continuer avec celle-ci. Alors là, on est chez Little Miss. Donc comme je vous l'ai dit, Little Miss habille la petite fille et la femme. Et alors là, on est sur une robe, hop, réverso. Elle se porte soit de ce côté-là, donc avec un petit empiècement. Alors je suis désolée, j'ai les doigts un peu jaunes, c'est la cuisine, c'est le curry. Coucou Katia, enchantée. Donc là, on est, voilà, vous voyez, sur un empiècement dentelle, ce qu'on appelle dévoré. Hein, c'est une petite encre qui dévore le tissu. Et là, il y a de la dentelle également. On a un détail avec une petite bande satinée et des petits clous à plat. Une petite manche à volant. Voilà, la ceinture qu'on met ou qu'on ne met pas, on la met à la hauteur que l'on veut. Et donc, soit on la met de ce côté-là, soit on la met de ce côté-là. De ce côté-là, on va avoir, vous voyez, une modestie très large. Voilà, un petit bandeau qui crée une modestie. Très sympa. Alors là, on est sur du Little Miss, donc la petite fille ou la femme. Mais, coucou Isabelle. Mais on a la chance de pouvoir la décliner jusqu'au XL, celle-ci. Donc, le M me convient. Moi, je fais en général un 40 chez Captain. Donc le XL, ça va correspondre à un bon 44. Hein, donc on est sur une robe qui va pouvoir satisfaire une large gamme de clientèle. Voilà. Et enfin, dernière robe qui est aussi un de mes coups de cœur. Là, on est sur une robe 2 en 1, vous voyez. On a la jupe kaki avec les petites poches. On est sur des toutes petites poches, hein, d'accord. Et donc, quand on le porte, voilà ce que ça donne. Voilà, petite jupe avec le petit top fluide. Donc là, on a du rose poudré et du corail, par exemple, et du bleu marine. Donc moi, celle-ci, j'aime bien l'associer forcément avec la veste rose poudrée. Ça lui donne un petit côté un peu baroudeur. C'est sympa. Voilà, vous voyez. La veste, on peut retrousser les manches hein, si on veut. Voilà. Ça fait vraiment très sympa avec la veste. Et on peut aussi l'associer avec la veste orange. Qui est en promotion d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire. Je vois l'étiquette, elle est à moins 30%, 55,30 € au lieu de 79. Donc la petite veste orange va très bien aller sur la robe parce que on a un coloris orange sur le motif de la robe. Hein, donc voilà. Alors forcément sur ma combi, ça ne donne pas grand chose, on dirait un peu un clown, hein, mais ça fait vraiment très très sympa. Et la veste, vous voyez, elle est derrière, elle est un peu élastiquée. Voilà, on est sur un crêpe. Elle est très sympa, hein, celle-ci. On la ferme un peu comme un perfecto. Voilà, elle a le petit col un peu, vous voyez, col Mao un petit peu. Très chouette. Et j'ai une autre proposition d'association à vous proposer. Pour celles qui préfèrent et qui n'aiment pas les vestes trop courtes. Là, on est sur un cardigan. Cardigan, à manches chauve-souris. Vous voyez. Avec un petit détail de lurex. Vous voyez, ça brille un petit peu. Donc, le détail de l'urès ici, on l'a sur l'encolure également. Et on est sur une maille extensible très, très agréable. Voilà, hein. Un bel ensemble aussi ici.
Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec les robes. Du coup, mon live va prendre fin. Je suis ravie de voir que vous avez pu participer, d'avoir pu me regarder. Pour celles qui m'ont déjà passé commande pendant le confinement, déjà, je vous remercie. Je reviendrai vers vous, vous inquiétez pas. J'attends le colis lundi et je vais pouvoir ensuite commencer à vous distribuer vos commandes. Pour celles qui ne connaissent pas Captain et qui ont eu la chance de pouvoir rejoindre mon groupe cette semaine par l'intermédiaire de leur copine, je commande les articles qui sont censés vous convenir. Coucou ma cousine Sandrine, je suis obligée de commander une taille qui est censée vous convenir. Si évidemment à la livraison, c'est trop petit, c'est trop grand, le modèle ne vous convient pas par rapport à sa conception, etc. Vous pouvez changer de modèle, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer de taille. Enfin, voilà. Le but, c'est que vous soyez satisfaite. Ce n'est pas que vous restez avec un vêtement qui ne vous convienne pas. Vous pourrez changer ou vous rétracter si besoin. Moi, je veux que vous soyez contente. Et voilà, c'est comme ça que je suis contente, moi. Voilà. Bah, écoutez, je vous pas m'envoyer des petits messages si vous avez des questions, si vous souhaitez commande, il n'y a pas de problème. Si vous souhaitez passer commande, pardon, il n'y a pas de problème. Moi, mon petit showroom va pouvoir s'ouvrir dès lundi pour celles qui le souhaitent. Je vais pouvoir vous recevoir dans des conditions sanitaires, j'espère en tout cas, correctes, plus que correctes. Hein, faudra que vous soyez masqués. J'ai le gel hydroalcoolique, j'ai le tapis pour enlever vos chaussures avant d'entrer dans la maison, comme ça... tout le monde est satisfait. Voilà, je vous embrasse bien fort. Oui, Nathalie, ça taille bien. Nathalie me demande si ça taille bien. Oui, ça taille bien, il n'y a pas de souci. Je vous embrasse bien fort et je réponds à vos questions juste après la vidéo. À très vite les filles. Et merci de m'avoir suivie. Et puis, j'en ferai d'autres sur d'autres thèmes. Je vous interrogerai, vous me direz ce que vous voulez. Bye bye, à plus tard.